Le journal Gala est respectueux des gens qu'il rencontre, il respecte la règle du jeu qu'on s'était fixée, pas d'intrusion dans ma vie personnelle. Ils acceptent ces règles du jeu, c'est lu par beaucoup de monde. Et mon point d'entrée, c'est cette histoire de quinoa qui est un petit clin d'œil, hein, un repas un peu végétarien, j'essaye de m'améliorer. Vous êtes pas devenu végétarien encore? Non. Et d'ailleurs, je ne donne pas de conseils ni de leçons aux autres. Hein. Simplement, j'ai expliqué un parcours, peut-être ça rentre en résonance avec des gens qui pensent comme moi et qui se disent, et c'est ça le message politique, parce que je vais dans Gala pour faire de la politique, pas pour faire autre chose. Hein. Le message, c'est que nous devrons réduire la part de consommation de protéines carnées, parce que c'est une catastrophe pour l'environnement, c'est une ruine pour l'économie, et surtout, ça se paie, j'ai dit surtout, hein, peut-être que le mot m'a échappé, d'une souffrance animale abominable et intolérable dans une société qui met en avant des valeurs de compassion. Bon, les animaux sont des êtres sensibles. On en consomme, c'est pas une raison pour les martyriser. Et vous voyez comment une préoccupation qui peut être considérée comme d'ordre éthique ou philosophique rencontre une question économique. Nous ne pouvons pas accepter ce système des fermes des 1000 vaches, des 10 000 vaches, des 50 000 lapins, des 30 000 truies, qui est abominable et se traduit par le fait que la viande que nous mangeons, les trois quarts du temps, je n'ai pas l'intention de critiquer les éleveurs de bêtes qui produisent de la viande à consommer. Ce n'est pas de celle-là dont on parle. Je parle de toute cette viande qui résulte, qui vient en bout de chaîne de la ferme des 1000 vaches. Quand la pauvre bête est épuisée, qu'elle a donné tout ce qu'elle a pu, alors on la tue, on la mange, et il y a des quantités inouïes de viande qui se déversent, qui ne valent rien. La contribution de l'élevage au gaz à effet de serre est supérieure à celle de tous les modes de transport. C'est énorme, non? C'est incroyable. Donc ça vaut la peine qu'on s'y arrête. On ne pourra pas continuer à vivre comme on vit nous aujourd'hui, à 10 milliards que nous serons bientôt, avec un mode de production et de consommation pareil.